Voilà, SummerSlam, vous venez de sortir de scène. Alors, honneur aux demoiselles pour commencer. Comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, ça s'est très bien passé. Enfin, pour notre part, en tout cas, on s'est vraiment bien plu. Le public était amazing, comme on dit dans le jargon. Non, le public était vraiment incroyable. C'est une super ambiance. Je pense que, point de vue communication aussi, nous, ça s'est bien passé. Donc, très, très content. On va prendre l'impression de tout le monde, hein, savoir un peu comment ça s'est passé, cette première sur la grande scène aussi du World in Rock. Bah ouais, c'est une première pour nous tous, je pense. Et franchement, c'était super. Avec l'ambiance aussi, vraiment, c'était vraiment cool. Pas facile hein, de répondre après les deux premières réponses, mais dites-nous un peu, les gars, qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette grande scène? Bah moi, je suis un petit peu ennuyé, je sais pas, non, il faut prendre le contre-pied. Ah non, c'était géant, non, c'était vraiment cool. Et le public, putain, sérieux, on a fait d'autres festivals cet été, hein, le Bourg Tour, la cuisine, et le public était aussi chaleureux, mais là, il y a du monde, et les gens, ils clapent des mains, et ils dansent, ils se retournent quand on leur demande de sous. Non, c'était vraiment top, Wardin, à refaire. Clément Dinou aussi, c'était pas facile parce que t'étais encore ici hier à 4h du matin et puis il fallait être là aussi pour jouer et assurer sur scène. Oui, bah, c'est un coup bas. Non, c'était vraiment... J'aimerais dédicacer ce concert à TV Lux. Bon, non, c'était vraiment chouette. Je me suis senti ultra puissant sur cette grande scène. Franchement, j'ai vraiment très bon... Non, c'était pour une première, c'était chouette. En plus, on a vu que le public, des gens qu'on ne connaissait pas, chantaient nos chansons et... C'était une première, donc ouais, ça m'a ému et en même temps, je me suis juste éclaté, quoi, donc... Alors vous, comme moi, on est tous originaires de la région d'Arlon et on voit quand même qu'ici, du côté de Bastogne, ça bouge quand même nettement plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Un peu d'émigration ou non, je ne sais pas. Je laisse la parole à Nico. Il y a quand même l'entrepôt à Arlon et les arrêts lunaires et ce genre de choses qui bougent quand même pas mal aussi. Donc je ne vais pas critiquer Arlon sur ce coup-là. C'est vrai que Bastogne se démerde bien, mais Arlon c'est très bien aussi. C'est quand même impressionnant de voir qu'ici un tout petit village de 300 habitants arrive à rassembler autant de personnes. Ouais non, c'est sûr que c'est impressionnant. Bah, moi je savais pas que le festival existait depuis 16 ans. Moi je pensais que ça faisait 6 ans qu'il existait parce que quand j'étais trop petit je ne le connaissais pas. Et je pense que la force de ce festival, c'est en même temps ramener des grosses têtes d'affiche et de réussir à faire quelque chose de familial, avant tout. Et voilà, les parents envoient leurs enfants à Wardin comme test en premier festival. Allez tester, et si vous faites bien Wardin, vous irez au Pickle Pop. Voilà, des vrais examens de passage avant mieux. Alors dis-nous pour toi aussi, comment ça s'est passé ici, le fait de jouer dans un festival que tu découvrais peut-être? C'était un peu stressant au début, c'est vrai que bon, j'ai pas l'habitude de grandes scènes comme ça, mais on se met vite dedans, enfin, moi j'ai vite été dedans avec l'ambiance autour, finalement je pense qu'on a fait un bon concert. Alors votre coup de cœur par rapport à ce festival, quelque chose que vous avez vu ou quelque chose que vous allez découvrir, qu'est-ce que vous avez envie de voir ici au World in Rock? À l'unanimité, ouais, hein, à l'unanimité, comme ça qu'on dit, hein. Brains, BRNS, parce que c'est un groupe qu'on a découvert il y a un petit temps déjà. C'est un bon groupe belge qui fait des trucs super, qui sort un peu du commun, un peu dans l'ambition. Et je pense qu'ils prennent leur temps, musicalement parlant. Il y a des silences, il y a des... Enfin, voilà. Nous, on accroche à l'unanimité à Brains, et c'est notre coup de cœur du festival, je pense. On dirait un manège comme dans les plaines de jeu ici, tu vois, où tu tournes pour aller plus vite. On fait tourner pour s'envoler, puis on y va. Allez, 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 allez. Voilà, on en reste là, on vous souhaite bonne continuation. Et à bientôt, de nouveau, World in Rock alors.